donc un blind. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai invité mon petit chum. C'est piégé, guys. Pour une vidéo que vous avez probablement déjà vu passer sur YouTube. En fait, mon chum va me maquiller. Ah, j'ai hâte. Puis en plus de me maquiller, il va répondre à des questions que vous nous avez posées sur Instagram. J'ai noté les plus populaires dans mon cellulaire. Puis ben, ça va être Mathieu. Ça va être Mathieu qui va y répondre. C'est un désastre qui est inévitable en ce moment. Je peux pas rien faire de beau avec tout ça. Ben oui, tu vas être capable, moi là. Fait que t'es-tu prêt? Moi, je suis prêt. Je peux commencer? Ben oui, tu peux commencer. Mais je vais aller piger dans tout ça, là. Ok, c'est bon. Ouais, ben là, mettons, moi j'aimerais ça avoir un look de soirée. Ouais, peu importe le look que tu demandes, ça va être ce que ça va être. Ok, puis pourquoi t'as pris ça? Ben ça, je sais qu'il faut que t'hydrates tout le temps la peau avant, puis je pense que c'est ça. Ça dit, c'est une crème hydratante, c'est ça. Good. C'est quoi ton moment préféré quotidien avec moi? Mettons, au quotidien, c'est lequel moment que tu préfères avec moi? C'est tout le temps qu'on se lève le matin. Ah oui. Je suis tout aussi, c'est la même affaire. Vraiment. Quand on se lève le matin, every day, on était comme, allô? J'ai la misère à comprendre comment tu mets de la crème, c'est terrible. Ben, mais t'es quoi? Non, mais t'es une main! Non, mais je sais pas comment tu peux protéger tes mains. T'as dit que tu as les mains? Ouais. Je suis pas sûre. Mais. Moi aussi, c'est quand on se lève le matin parce qu'on est. Je pose toutes les questions, là. Ok. On est comment tout endormi. Comment tu mets ça? I love, you're beautiful. La partie de mon corps que t'aimes le plus. Je sais pas, y a, chaque partie a comme sa raison pourquoi ça pourrait être la préférée. Donc, ton visage est full belle, t'as un beau sourire, t'as des super beaux seins, des belles fesses, mais c'est peut-être tes hanches. Tes hanches pis. Ici, genre? Ah, tes hanches pis. Mettons... Ici, moi je pense. Je sais tout pas c'est quoi la façon même si tu me le dis. Tu veux commencer par les yeux ou le teint? Le teint, mais t'as comme rien, on le dirait. Le teint. Fait que je vais y aller avec. On va te tenter les lèvres. Wow! J'espère vraiment que tu t'es lavé les mains. Je suis sûre que non en plus. Laisse-moi tranquille. On va y aller avec ça, je pense. Ok. Quelle est la chose qui t'énerve le plus chez moi? C'est quoi ces questions-là, là? On essaie de me piéger pendant que je pense à autre chose? Ça fait rien, ça. C'est quoi ça? Ça fait quoi? Ça veut juste te mettre du sable en face. Je comprends pas. Ça sert à rien. Ça, c'est du fond de teint. Okay, la fait, on mais c'est du fond de teint. C'est pour les garçons. Est-ce que t'as la bonne teinte? Oui, c'est la plus pâle. Ok. Mais c'est la même chose. On s'est donné ça en Afrique aussi pour les boys. C'est vrai, hein? Fait que c'est quoi qui t'énerve le plus chez moi? Ah, c'est pas beau. Chris, c'est parce que t'as mis la peau d'avant. Non, non, mais c'est parce que c'est brun. Puis t'as la peau blanche. Qu'est-ce que t'énerve le plus chez toi? Ben, c'est quand t'as comme un espèce de. Quand tu veux faire une vidéo ou quand il faut que tu fasses des photos pour une promo, peu importe. T'es comme. T'es pas là, là. Là, je suis comme. Mais c'est à cause que. Des fois, t'es pas pressé, justement. T'as une belle peau, même. Mais là. Tu sais, on avait ça, les affaires sur les paupières. Le nom de ma paupière. Du blush? Non, c'est du highlight. C'est ça, non? Ok, dans les yeux. Ok, attends un peu. Pourquoi as-tu choisi Claudie en premier sans aller vers les autres? Ben, j'avais aucun intérêt vers les autres, fait que c'était juste une perte de temps. C'était juste que Claude qui fit avec moi. Turns out que, en plus que on. Des personnalités qui se ressemblent, on s'entend super bien. Faut que t'aies la totale, pis avec Claude, j'ai la totale. Oh, t'es cute. Pis? T'as les encore? C'est un peu bizarre, j'espère. Ok. Mais là, t'as juste mis une couleur. Fait mettre deux couleurs? Il y a deux couleurs à la fois là-dessus? Ben, des fois, il peut en avoir cinq. Ah, ok, c'est cool. Moi, je voulais la faire tantôt que j'ai sorti, ça a fait. T'as-tu ça? Ça, c'est pourquoi? C'est du mascara. Fait que là, attends. Allez, ah! C'est vraiment une vieille job, ça. Faut-tu faire ça vers le bas ou vers le haut? Vers le haut. Regarde-moi encore, je crois que j'en ai un petit peu mis. Hein. Je le sais, je le sens. Ben, oh my god! Y'a rien là, puis calme-toi, là. Pas besoin de crier ici dans mon shop. Viens pas crier dans mon salon, là. Puis vas-y. Ok. T'as peur de quoi, Annie? Anyway, mais crime, c'est à cause que. J'aime pas que tu me rendes ça dans l'œil, là. Mais là, faut que je t'en rends ça dans l'œil. Pis c'est beau? Non. T'as vu, les cils en bas, là, peux-tu les faire pendant que t'es vivant? Oui, mais là, t'as peur. Claude, calme-toi. Oui, mais toi, calme-toi. Regarde-moi. Non, il faut que je mette ça. Arrête de choquer, qu'est-ce que hey, tu fais? Hey, toi, là, veux-tu que je t'en mette? Je vais t'en mettre du mascara. Ben, je vais pas capoter. Ok, bon, mais là. Moi, tu me dis, tu vas me créer ça dans l'œil, là. Genre. Pourquoi je te colle ça dans l'œil? Eh ben, yo, moi, si, parce que tu t'en mets jamais de ça, maintenant. Je t'en mets, là. Je vais pas faire exprès de te le mettre dans l'œil. Puis, Claude, t'es dommage, nounou. Regarde-moi. Fais ces jeux-là. Tu veux-tu que je t'en mette? Ouais. Ok. Tu sais, je vais même pas broncher.
Hey, mais tu me rends dans le fond du cul! C'est nice de mettre du mascara à quelqu'un! Ah, c'est cute! Ok, good. On continue. Mathieu Pellerino! Est-ce qu'on a la pression d'être le dernier couple restant? Fuck off! Ouais, les gens font ce qu'ils veulent, nous on a décidé de faire ce qu'on voulait. On est encore ensemble, on va l'être. Puis là, bon, ça c'est quoi? Je veux que tu. Tu fasses la mâchoire là. Non, non, ouais. Mais là, tu veux que je fasse quoi? Je veux voir tes cheekbones. Genre d'oreilles? C'est bon, ça. Crut, t'as un rangé, c'est un néant. Je veux voir tes cheekbones quand même. Puis tu vois. Mais non, on n'a pas de. On a pas de pression, en fait, on s'en calisse. C'est quoi, tu viens de me mettre là? Du contour, c'est écrit. Du contour? Ok, tu m'en mets où la mâchoire? Ah oh, ouais. Mon dieu, tu sais ça, toi? Claude. Il faut contour la mâchoire. Claude, tu vas être fierce looking pour le tapis rouge ce soir dans le salon. Est-ce que maintenant que tu sais qu'on est le dernier couple, tu te dis qu'on aurait dû gagner? Pff, je me suis dit ça bien avant qu'on ait gagné. Ouais, moi aussi pour rien. Fais des mots, je veux dire ça. En plus, c'était le monde m'en voulait tellement, tu sais. Puis après, l'an dernier, c'est comme, ah, oh, je sais pas si tu peux faire des collègues. Là, tu refais quoi avec cette poudre? J'en mets, là, pour fixer. Voyons. Mais là, tu fais quoi? Je viens égaliser, parce que c'était pour moi. Tu viens égaliser. Je te fais confiance. Ben, je te fais confiance. C'est quoi ta plus grande peur vis-à-vis moi? La plus grande peur vis-à-vis toi, c'est peut-être, je sais pas, du jour au lendemain, tu changes complètement, puis je fasse comme, c'est qui ça, là, tu sais. Tu sois plus la fille que j'ai aimée, tu sais. T'as pas peur de me perdre? J'ai pas peur de perdre, non, parce que je te perdais. Puis c'était tant une fille comme terre à terre pis authentique que si tu serais plus ça, tu prendrais pour un autre, je serais comme, ça va dessus, genre. Ouais, non, c'est clair. Tu t'en fous de quoi t'as l'air que les gens pensent de toi, pis d'un coup, tu serais comme, tu me regarderais, tu peux pas partir de la même, tu peux pas être habillé comme ça, je serais comme, et je serais avec l'autre, ta gueule! Je pense que ce serait impossible de venir de même. You're beautiful. Ok, ça, c'est hydratant précieuse. Ok. Fait que c'est juste pour. Pourquoi t'as peur de. Ben, je sais pas, c'est comme juste un chat. C'est exactement ce que ça va faire. T'as invité à me dire la bouteille. Je sais, ok. Oh, tu sais, tu sens bien, je m'excuse. Oh, toi, t'es meilleur. J'avoue que c'est le fun, hein. Oui, c'est le fun. Tu m'en lis pas mal. Ouais, je sais. Est-ce que tu te vois me demander en mariage dans ta vie? On va se marier, là. Tu vas être cute avec ta petite robe blanche. T'es quand même cute, là! Pour vrai! Est-ce que ça fonctionne? Moyen, on dirait que. C'est comme si j'avais un marqueur qui a plus d'oncle. Si, mettons, on a des enfants ensemble, pis que c'est juste toi qui as le choix de choisir les noms. Mettons que moi, je suis pas dans l'équation. Ça serait quoi ton nom? Là, dis pas des niaiseries! Non, ça non. Serait quoi le nom de ta fille pis le nom de ton gars? Ah, oh, je le sais, ça va être quoi le nom de ton gars? Le gars, c'est Jean-Philippe! Ça fait l'arme! JPP! Ouais! J'avais le temps. C'est comme JPP, lève-toi! Pis, ok, en tout cas. Je sais pas. Ah, Charlie, je trouve ça cool. Charlie, je trouve ça cool. Quel genre de père tu vas être, pis quel genre de mère je vais être, selon toi? Alors, moi, je vais être le papa avec deux personnalités, comme méga friendly, pis quand je vais pas être content, je vais comme. Chisse mes enfants. Ouais! Je vais être le premier à vouloir. Tu vas être full impulsif, mettons, ouais. Là, après, je vais comme, pourquoi vous avez fait de quoi t'es aussi stupide? Ouais. Les enfants, comme si c'était full clair pour un enfant qui a jamais fait cette erreur-là. Mais d'après moi, tu vas le prendre full personnel. Mettons là, que ton kid il se fait battre à l'école, là, tu vas genre y enseigner comment se battre. Mais là, je veux dire, personne ne va savoir que je l'ai enseigné. C'est moi qui ai dit ça. Ou tu vas aller intimider le jeune. Mais là, je vais aller battre son père. Ouais. Puis quel genre de mère, moi, tu penses que je vais être? Tu vas être méga mère pour ça, ouais. Ben oui, oui. Tu vas devenir un enfant. Je veux tellement pas être mère poule. C'est plus fort que toi, je pense. Si tu vois un enfant, oh my god! Puis ça va devenir comme. Tu vas devenir une poule. Tu vas devenir une poule. Moi, j'ai peut-être fait une job de merde, c'est comme toi. Ce que tu aimes le plus de ma personnalité. T'es bubbly, genre, quand ça va bien, t'es vraiment le fun à côtoyer, pis tout est le fun, tu sais. Tout est. Vraiment? Tout est. Il fait soleil, mais comme. Oh! Là, t'es comme, ben oui, comme tous les jours. Depuis que j'ai arrêté l'alcool, est-ce que tu dirais que j'ai changé? Ben, quand tu voulais plus d'alcool, t'étais juste plus souvent down, pis ça gossait. Ouais, c'est pas bien de mixer l'alcool pis les antidépresseurs. Mais c'est vrai, c'est comme.
Puis c'était pas compréhensible pour moi, j'étais comme, mais là, qu'est-ce que t'as fait comme ça? Puis là, même, tu savais pas. Mm. Est-ce que c'est difficile d'être 24 heures sur 24 avec moi pendant la quarantaine? Du tout. C'est vraiment difficile. Non. T'as déjà connu des moments difficiles dans la vie, c'est loin de l'être. C'est juste le fun. C'est tellement drôle parce que. Autant que nous. T'es pas là. Ben, tu sais, quand vous êtes faites pour être ensemble, c'est facile de passer du temps ensemble. Oui, des fois, tu tapes ses nerfs, mais la plupart du temps, c'est supposé être simple. Est-ce que Mathieu a un gros... C'est ce qui conclut la vidéo. Ça filme encore? Bon, hey, j'ai même pas vu le résultat final. Ok. C'était plus beau d'un point de vue. Ouais, non, c'est pas terrible. Est-ce qu'on est en focus? Le tour est joué. J'ai fait ça comme un chef. Est-ce que vous trouvez que Matt a fait une bonne job? Bon, fait que merci, my love, de m'avoir maquillée. Non, mais l'important, c'est de faire son mieux. Hey, merci d'avoir écouté, gang. Si vous avez aimé ça, mettez un petit pouce en l'air. Puis mettez donc une note sur 10 dans les commentaires sur comment Mathieu a fait ça. Puis... 12 sur 10. Moi, je dirais, tous ceux qui m'ont supporté pendant le processus du maquillage, 12 sur 10 de commentaires, s'il vous plaît. Moi, j'y donnerais 7 sur 10. C'est quand même pas super. Pour vrai. La réponse, les gens le savent, 12 sur 10. Bon, ben, hey, bye tout le monde. Merci beaucoup d'avoir écouté. Bonne quarantaine. C'est vraiment drôle. Salut. Lavez-vous les mains avant de mettre vos mains dans la face de votre blonde.